Déjà, ce que j'aimerais que les gens comprennent, on situe beaucoup l'entrepreneur comme celui qui est à la tête d'une entreprise. En réalité, tous dans notre vie devrions nous considérer comme des entrepreneurs parce que nous avons tous une mission, nous nous fixons tous des objectifs, nous avons tous une sorte d'entité. C'est pour ça qu'on parle souvent de personnes morales et de personnes physiques parce que toutes les deux fonctionnent en réalité de la même façon. Donc, ce que les gens peuvent tirer du speech que je vais donner à l'intérieur, c'est vraiment une expérience, un discours basé sur une expérience avérée. Voilà, c'est ce que je voulais dire parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais ce que je veux vraiment passer comme message, c'est un discours concret qui ne vient pas pour faire plaisir à des gens, mais leur dire, sachez que voilà ce par quoi vous êtes passé. Vu que je suis chef d'entreprise depuis 5 années maintenant et qu'il y a un certain nombre de challenges que j'ai traversés, et je pense que c'est une mission pour nous d'emmener ceux qui sont derrière à traverser ces challenges-là beaucoup plus rapidement. Donc ce que les gens peuvent acquérir, c'est vraiment éviter de durer autant que nous pour faire le parcours que nous avons fait. Comme on dit, hein, si vous refusez d'apprendre les choses par vous-même dans la douleur, la nature vous l'apprend. Donc c'est comme ça. Et ceux qui vont écouter le discours ou ceux qui, peut-être aujourd'hui on a internet, le regarderont derrière, qui n'hésitent pas à interagir parce que c'est ensemble qu'on s'améliore. Autant je vais partager mon expérience, autant je peux bénéficier de l'apport de quelqu'un d'autre. Et c'est cette communauté que nous construirons là qui permettra de faire de l'entrepreneuriat ou de l'économie au Cameroun et en Afrique quelque chose de plus considérable. Si le plan généraliste de la même façon, vous ne comprenez pas votre projet techniquement de la même façon. Donc déjà, le premier challenge, ça a été la ressource humaine. D'arriver à trouver les bons collaborateurs. Je pense que dans les 3 premières années, on a eu un taux de rotation incroyable. Et parfois, je me posais la question de savoir est-ce qu'on va y arriver parce que c'était comme un éternel recommencement. Le deuxième challenge, c'est vraiment sur le plan technique. Parce que si vous évoluez dans un domaine plutôt conventionnel, ça peut être aisé de retrouver des collaborateurs. Mais si vous faites de la compagnie comme nous, que vous formez des collaborateurs vous-même en interne, et que du jour au lendemain, il y en a un qui nous dit « je pars », celui qui revient, il a une compétence technique qu'il faut lui redonner. Donc, sur le plan technique, c'est quelque chose que vous ressentez en fait, et qui, d'une certaine façon, fait le développement de l'entreprise. Alors, quand on parle de parcours de l'entrepreneur, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est vraiment l'aspect durable, la longévité et l'aspect durable du parcours en question. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une surcommunication au sujet de l'entrepreneuriat et c'est important que dans cet environnement parfois illisible, que les jeunes et moins jeunes qui s'intéressent justement à l'entrepreneuriat puissent savoir effectivement et tirer le bon message. Donc, les anglo-saxons ont l'habitude de dire « hard work, big talent, if talent doesn't work ». Ça témoigne à suffisance en fait que si on devient entrepreneur, ce n'est pas simplement pour un résultat ponctuel, mais c'est parce qu'on est en train de s'inscrire dans le temps. Et quand on parle de parcours de l'entrepreneur, c'est parce qu'on se situe dans un environnement et qu'il y aura forcément des challenges. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer à ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeunes, mais après il y a des personnes qui peuvent être pas forcément jeunes qui s'y intéressent aussi, qu'il faut se doter des armes utile parce que ça va leur demander justement d'affronter ces challenges qu'ils rencontreront sur leur chemin là. Je pense que le premier élément qu'on doit avoir, c'est une confiance en soi. Parce que si sur le plan interne, on est suffisamment on a du contenu, on peut maintenant l'extérioriser, on peut commencer à travailler pour atteindre ses objectifs. Le problème parfois, c'est que les entrepreneurs en eux-mêmes, ce n'est pas forcément la meilleure idée qui réussit. Mais c'est l'idée qui est menée par la bonne équipe, par la bonne personne. Donc avant de parler de ce parcours-là, il faut d'abord qu'on considère le point de départ, qui est la personne qui porte le projet, qui est l'équipe qui porte le projet. Une fois qu'on a cette équipe, une fois qu'on a cette personne-là, qui sait exactement où elle va, qui comprend quelle est sa vision et réussit à tracer une sorte de ligne directrice, maintenant, elle comprend effectivement qu'il y a un parcours et elle va devoir faire face à son environnement. Pendant les 3 années qu'il a pris pour mettre ce pays en entreprise, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas de salaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne quantifiait pas son temps. Non, c'est bien de le quantifier parce que quand vous rencontrez les gens plus tard, les potentiels investisseurs, un des investisseurs va demander votre entreprise, elle vaut quoi? Alors moi c'est Yawa Afandé, je suis ingénieur système mécatronique, togolais d'origine. Ok, pourquoi avoir acheté
d'autres pays africains à cette deuxième édition, c'est déjà pour donner une dimension panafricaine au programme. Et on le dit aussi dans notre slogan, c'est Unleash African Potential. L'objectif de Nabico, l'objectif de CID même à la base, c'est vraiment de libérer le potentiel du continent africain. Et donc le Cameroun était un début. Et pour cette deuxième édition, on a voulu passer à plus de pays et on espère même grandir encore plus dans les années prochaines. Je m'appelle Merlin Tanka, j'ai fait mes études en Allemagne, j'ai l'électronique et l'informatique. Et après mes études, j'ai continué dans l'ingénierie, dans le domaine de l'informatique et je travaille dans une boîte allemande qui développe les scanners, la radiologie, les appareils de X-ray. Et bon, j'ai un peu des équipes un peu partout, quoi. Donc, que ce soit en Allemagne, en Chine et maintenant au Cameroun, quoi. J'ai une boîte au Cameroun, voilà. Nous vous remercions. Et aujourd'hui, nous avons une question particulière. Déjà, qu'est-ce que la R&D et quelle est son utilité, quelle est son importance dans le milieu entrepreneurial africain et particulièrement camerounais? Le R&D, c'est un processus de développement que toute entreprise doit suivre. Ça, si vous êtes dans l'ingénierie, vous devez, si vous voulez faire le R&D, ça, c'est un processus de développement d'un produit, que ce soit médical, que ce soit du hardware, que ce soit du software, quel que soit ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on part d'une idée pour arriver à un produit. Le R&D permet qu'à la fin de la recherche, qu'on puisse produire le produit, la solution d'une manière sérielle et répétitive. C'est-à-dire que qu'on produit aujourd'hui et demain, ça a la même qualité. C'est ça le R&D, c'est la recherche et le développement d'une solution face à un problème. Voilà, et l'importance dans l'écosystème africain, on ne peut pas développer un pays ou un continent si on ne fait pas le R&D. C'est-à-dire que partie de l'idée est transformée et ce que nous faisons, on fait le R&D dans le développement du matériel, du hardware. Et ce que vous voyez autour de vous, le micro que vous avez, que vous me tendez, c'est importé. Et ce que nous voulons changer, c'est qu'on fabrique ça sur place ici. Et pour qu'on arrive à développer ça et fabriquer sur place, il faut former les jeunes. Et c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas d'industrie en Afrique. Alors, il faut que vous-même vous les formez et ça prend des années. Pour développer un micro comme ça, ici au Cameroun, ça va vous prendre au moins 5 ans. Minimum 5 ans. Et ce n'est pas facile. Ça, il n'y a pas les ressources humaines pour cela. Parce qu'il n'y a pas d'industrie. Les enfants font l'université et ils n'ont pas la possibilité de faire des stages dans des sociétés qui sont dans le R&D. Et en Allemagne, ce n'est pas le même problème. Les enfants font l'université, ils vont dans des entreprises. Les enfants font l'université, cela, ils ne vont pas dans les entreprises. Vous voulez qu'ils apprennent où? Donc, c'est ce qu'on veut changer. C'est-à-dire qu'on a créé une institution à Barenté de recherche qui permet aux jeunes d'acquérir les connaissances en industrie, que quand ils finissent leurs études, ils sont directement accessibles à l'industrie. Voilà, comme en Allemagne, c'est le Made in Germany from Cameroun. C'est notre rêve. Voilà. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Mutumax is an enterprise, a sole proprietorship, which has as aim to produce healthy oils. But as of now, we are trying to maximize our knowledge. Excuse me, when you say healthy oils, is for skin or for? No, it's for health. Okay. Healthy oils for health, yes, because we know that in the market today there are so many oils that we consume, but the properties of the oil are not very good for health. You see the government banning some oils to be sold at the market. That's to say that these oils can cause health issues. Yes. Okay. So you already answered the question of the impact of insurance on health. So can you tell me what Nabico is bringing to your business right now? Yes, I can actually say that I'm blessed to be a part of Nabico because this training has exposed me to a lot of knowledge. Yes, maybe starting from mastering my business because it's here that I just discovered that I've not mastered my business. Like if I should meet a potential client, maybe I will stutter. I will not know exactly what to tell them. But I think can you tell me specifically in which area you are weak in your business?
business? Okay, I would say that I was weak at the level of some quantitative analysis. Mm. Yes, I have the literature knowledge, but quantitatively, I could not be really specific to say, okay, this is where I am, and this is where I want to go. So I think that on that aspect, they have really helped me. Yes. Thank you. Gaëlle, je suis docteur Gaëlle Duqueux, je suis experte en imagerie médicale et actuellement basée ou alors focusée dans l'enseignement, c'est-à-dire la formation universitaire dans les métiers de la programmation et de la cybersécurité. Bonjour Laurentine. Bonjour Gaëlle. Je veux dire quelque chose sur toi. Oui, moi c'est Laurentine Anaba, je suis experte en performance industrielle. Et je suis actuellement directrice adjointe dans un établissement, dans une PME en France. Ok, super. Alors, la particularité qu'on a cet après-midi, c'est que Laurentine et moi sommes des membres mentors du programme SEEDS, qui parle de sharing, donc partager, encourager les jeunes et les aider à se développer dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et une thématique qui est super intéressante pour nous, Laurentine, c'est encore de revoir au niveau de l'éducation ou alors le système d'éducation en place, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, parce que dans le programme Navico 2022, nous accueillons des pays voisins, donc les Sénégal, le Togo et le Bénin. Voilà, justement le Togo et le Bénin qui sont là. Et pour nous, la question, c'est de revoir un peu l'éducation et se demander si le système éducatif actuel prône vraiment à l'entrepreneuriat, si on met les bases qu'il faut. Est-ce qu'il favorise juste c'est une question complexe. Enfin, je dirais, comme ça, un peu pour point de ce que je me souviens de l'éducation que j'ai reçue, parce que j'ai fait mes études au Cameroun jusqu'à la terminale, avant de m'expatrier. Et donc, le souvenir que j'en ai, je dirais non, ça ne favorise pas vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le système actuel favorise plus l'individualisme plutôt que l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat, c'est un travail collectif. Oui. Et du coup, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Oui, quand tu parles de l'expérience qu'on a eue au pays, parce que moi également, c'est une enfance au Cameroun et je pars vers l'Occident après la classe terminale. On est choqués. Donc, tout à l'heure, on parlait avec, je discutais encore avec Laurentine. On est choqués de voir en fait le système éducatif sous un autre angle quand on arrive. C'est beaucoup de travaux dirigés, donc c'est beaucoup de moments de travail où les enfants sont amenés à produire un résultat ensemble. Donc c'est un point qui est quand même assez poignant, qui manque aujourd'hui dans l'éducation africaine. Bonjour, je suis Thomas Lionel Belibi, je suis copromoteur de la start-up BookBookShop.com. Et s'il faut regarder dans mon parcours, je suis inspecteur de poste et télécommunications et titulaire d'une maîtrise en gestion. Voilà. Le véritable challenge ici au Cameroun, c'est lié à l'idée de base, l'idée de formation. C'est-à-dire que depuis que nous sommes petits, on nous a appris que pour réussir, il faut être dans une entreprise parapublique. Il faut notamment travailler pour l'État. Il faut être dans une école qui va nous amener pour être un corps administratif ou alors un serviteur simplement du système. Et lorsqu'on arrive à une certaine étape et qu'on a une toute petite passion pour l'entrepreneuriat, on fait face justement à un roulement qui est déjà personnel parce que ton esprit te dit voilà, tu es en train de prendre la route de l'échec, même si tu aimes ça, ce n'est pas bon pour ta vie. Et puis à côté, il y a aussi l'environnement.
actuellement qui te dit la même chose. Et donc, pour faire face à ça, déjà, il faut être sûr de ce qu'on veut. C'est-à-dire que définir clairement sa vision, la vision très importante. Lorsqu'on a défini la vision, on sait comment on va s'en sortir, on sait comment on va marcher. Et en fonction, chaque jour, parce que les obstacles sont différents, ça peut être lié à l'humain, ça peut être lié au financier, ça peut être lié à la technologie, ça peut être lié à même un problème de motivation. Il faut chaque jour trouver des outils adaptés à la résolution de chaque problème. Bonjour, monsieur Abdou. Bonjour. Oui, tout d'abord, nous sommes enchantés de faire votre connaissance et nous aimerons savoir qui est monsieur Abdou. Eh bien, je suis Abdoul Djalil Ouro-Agoro, je suis togolais et je suis responsable, enfin cofondateur d'un projet SCOPE qui veut dire Sorting and Collecting Plastic for in our Environment. En fait, nous sommes dans la collecte des déchets plastiques à Lomé. Et ben, l'information que vous pouvez savoir sur notre start-up, c'est que Lomé produit 25 000 tonnes de déchets plastiques par an et il n'y a que 10% de ce produit, de ce déchet-là qui est recyclé en réalité. Et encore, ce recyclage est fait vraiment dans des conditions pas très hygiéniques. Donc, nous sommes tous conscients également que le problème du déchet plastique, c'est le recyclage. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de mettre une plateforme à la disposition de la population de Lomé qui va nous aider à mettre le problème, lier le problème à la solution. Déchets plastiques, l'insalubrité comme problème et solution comme recyclage. Donc, notre plateforme, nous la mettons à la disposition de la population de Lomé et nous collectons les déchets depuis la maison, les maisons directement, nous déposons nos poubelles depuis dans les ménages et nous prenons le problème à la base. Du coup, ça fait que le déchet plastique ne se retrouve plus dans la nature sur des dépotoirs, mais nous le récupérons directement depuis le ménage et nous le mettons à la disposition de ceux qui font dans le recyclage. Bonjour Evariste. Bonjour. Comment vous allez? Je vous remercie, vous? Je vais très bien, merci. Nous aimerons savoir quel est votre apport pour cette deuxième édition de Nabico. Oui, bon, déjà, je suis ici, certes, en tant que mentor de site, mais aussi en tant que fondateur en fait, de l'association IT for Africa, qui a pour objectif la promotion de la formation dans les nouvelles technologies. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'essaye d'accompagner ces startups-là en leur donnant, en fait, non seulement la stratégie numérique ou la stratégie digitale nécessaire pour accélérer leur business, et aussi, nous savons tous que la transition digitale est presque inévitable pour tout le monde. Donc, de ce côté-là, j'essaie aussi de les appuyer. Je suis Emmanuel Assom-Néen, promoteur de la SATA WeCare, qui est un canal de santé électronique qui permet à tout le monde d'avoir à disposition ses informations médicales. Premièrement, quand on est un entrepreneur camerounais, il faut pouvoir avoir une chouette idée, certes, mais il faut pouvoir réellement répondre à un problème de la communauté, mais surtout, se rassurer que le marché est prêt. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une très bonne idée, on peut avoir même le marché, mais si le marché n'est pas disponible à accepter la solution maintenant, ça ne va pas marcher. Et donc, on a quitté de 3 à 5, à 7, on est parti à 9. Ça a vraiment été fluctuant en termes d'équipe. Et puis, le second challenge qu'on a eu, c'était justement la technologie. Parce que au Cameroun, particulièrement, chaque hôpital, sa façon de fonctionner, pas trouver une technologie ou bien une plateforme qui pouvait être unique, que chaque hôpital qui existe pouvoir se retrouver et pouvoir permettre à chaque patient qui arrive de. Aujourd'hui, nous parlerons sûrement de l'impact de l'entrepreneur dans sa communauté et nous parlerons aussi du parcours de l'entrepreneur. Il faut que les jeunes comprennent et tous ceux qui veulent entreprendre, qu'on soit jeune, qu'on soit un peu plus âgé, il faut comprendre que le parcours de l'entrepreneur est semé d'embûches et qu'on ne réussit pas forcément du tout au tout. Bonjour Novali. Bonjour. Comment vous allez? Oh, ça va très bien, merci. Nous aimerons savoir qui est Novali. Et que faites-vous ici en fait? Ok, merci. Novali Rumbedi est fondateur de la plateforme Aliment Bénin. Et comme le nom le dit déjà, je viens du Bénin. Alors, Aliment Bénin est une plateforme qui fait la promotion et la distribution de produits agricoles et agroalimentaires locaux. Et nous faisons cela parce que nous sommes rendus compte qu'en milieu urbain, d'accord, il y a les ménages qui peinent à s'approvisionner en produits locaux
parce que ce sont des produits qui généralement existent pour la plupart du temps en milieu rural. Alors que dans le même temps, il y a les producteurs, les agriculteurs, les consommateurs qui produisent, mais pour question de difficulté d'accès au marché, n'arrivent pas à vendre leurs produits, ce qui engendre chez eux des pertes post-récolte. Donc c'est pour régler ce problème au niveau des producteurs et des consommateurs que nous avons mis en place la plateforme Aliments Bénin. Nous vous remercions et nous avons encore une petite question concernant vos ressources, vos matières premières, de sorte vos ressources en fait. Ok, alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Aliments Bénin ne produisons pas, la majorité des produits que vous avez là, ce sont des produits de nos producteurs, de nos fournisseurs. Alors nous, notre mission, c'est d'être un peu leur ambassadeur, leur représentant. Donc nous donnons la visibilité à ces produits à travers notre site internet, mais nous faisons également la distribution de ces produits-là, d'accord? Et si vous allez sur notre site maintenant, vous allez voir qu'il y a déjà plus de 200 produits béninois qui sont là-dessus, d'accord? Que nous distribuons, en milieu urbain, c'est-à-dire dans les grandes villes du Bénin, mais également que nous exportons vers les Béninois de la diaspora, en fait, ou même les étrangers qui aiment l'alimentation ou les produits agricoles béninois. Nous vous remercions, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir partagé, merci. La plateforme Nodico a pour but de réunir les entrepreneurs, les mentis, les mentors. Le rôle des mentors ou des incubateurs, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire à un entrepreneur d'être accompagné? Et surtout pour l'entrepreneur africain. Voilà, c'est ce que j'allais dire. De manière générale, de toute façon, et peu importe la région du monde, bon, c'est très bien. Un entrepreneur a besoin à différentes étapes d'être soutenu, accompagné financièrement, juridiquement, conseillé, etc. Donc, dans notre contexte, l'Afrique et Camerounais, c'est encore plus important parce qu'on a souvent des jeunes qui démarrent avec très peu de capitaux, qui démarrent dans des contextes juridiques qui ne sont pas forcément toujours adaptés à leur projet. Donc, il faut, si on vous le propose, aller chercher l'aide, le soutien, le support. Ça ne veut pas dire qu'on fait à leur place, ça veut dire qu'on les accompagne, on les aide, on les guide. C'est encore plus nécessaire, je pense, dans notre contexte, d'avoir des structures, des organisations comme l'incubateur ou le TAMA qui vous accompagne, qui vous guide. Et à travers ces formations, à travers ces programmes comme celui de Nabico et le mentoring qu'on peut apporter dans ce cadre. C'est vraiment nécessaire pour pouvoir aller plus vite, je sais pas, travailler mieux, plus facilement sur certaines choses, avoir des outils pour avancer mieux dans son projet. Le deuxième point, ça nous a permis vraiment de toucher plus de types de projets, pas seulement localement. Ça nous a permis aussi de comprendre le contexte global dans les autres pays, en termes des problématiques qu'ils ont, de l'écosystème local aussi, de la façon à laquelle ils sont traités. Moi, je pense qu'on a quand même un très gros potentiel ici parce qu'il y a beaucoup de produits, de la transformation des produits, on a des produits. On a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut travailler. À partir du mois prochain, on va commencer déjà à entrer dans les détails de chacun de ces projets. Et j'espère vraiment qu'on pourrait, dans plusieurs mois, voir des géants de l'industrie, parce qu'on parle beaucoup de transformation parmi les projets que nous avons sélectionnés. Donc, je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer. Merci Steve. On va bosser ensemble ces 8 prochains mois avec tous les mentors qui sont vraiment impliqués dans le processus. Donc vraiment looking forward to the next step. Me too.